Des mirages plein les poches, c'est un recueil de nouvelles constitué d'une dizaine de nouvelles à peu près. Je ne les ai pas comptées, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et qui ont été écrites pour la plupart entre 2011 et 2017, en parallèle de l'écriture des romans que j'ai publiés soit aux éditions du Sonneur, soit aux Forges de Vulcain. Et donc pendant tout ce temps-là, moi j'ai écrit un certain nombre de nouvelles qui ont été publiées dans des recueils collectifs. Et David Meulemans, mon éditeur, m'a proposé un jour de... Il en a lu une, il en a lu une deuxième, et il trouvait que c'était assez cohérent par rapport à ce que j'écrivais. Et il m'a proposé de les regrouper pour en faire un recueil unique. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai ajouté quelques nouvelles pour donner plus d'homogénéité pour que ça fasse un vrai livre, pour que ça fasse une œuvre à part entière. Et voilà, donc on arrive à une dizaine de nouvelles. Alors, des mirages plein les poches, c'est parce qu'il y a une unité dans ces nouvelles-là. On s'en est rendu compte en travaillant dessus. Moi, je m'en étais pas rendu compte immédiatement parce que des nouvelles écrites sur 6 ans, c'est forcément il y a du temps qui passe. On les a pas toutes à l'esprit. Et c'est vrai qu'en les relisant, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes peut-être un point commun, c'est une espèce de désenchantement, mais qui était systématiquement accompagné de rêves. C'est à chaque fois des personnages qui ont des rêves un petit peu inaccessibles. Ça peut être des rêves tout bêtes, ça peut être des rêves de paternité, des rêves d'aventure, de marine, de football et d'amour. Et ils ont tous des rêves, ils savent assez vite en fait qu'ils n'arriveront pas à les réaliser. Mais c'est pas grave, ils s'y accrochent quand même, ils se disent on n'y arrivera pas, mais on va faire semblant d'y croire et continuer à s'y accrocher. Je pense que c'est important de continuer à s'accrocher aux rêves même s'ils ne sont pas accessibles. J'ai écrit chaque nouvelle les unes après les autres. J'en ai rajouté, donc quand j'en ai rajouté à la fin, c'est parce qu'il y avait des thèmes qui pour moi étaient importants, que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez présents dans les nouvelles déjà écrites. Mais écrire une nouvelle, c'est un état d'esprit assez particulier parce qu'il faut raconter tout un monde, tout un univers dans un nombre de pages extrêmement réduit. Donc il faut être à la fois efficace, j'aime pas le mot efficacité en littérature, mais il y a un petit peu de ça dans une nouvelle, c'est-à-dire il faut que le lecteur y rentre immédiatement dedans. Et il faut qu'au moment d'en sortir, il ait l'impression d'avoir traversé une planète ou d'avoir traversé une existence. Et tout en étant un petit peu frustré de quitter ce monde qui vient à peine de connaître. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle « Deux demi-truites » et qui raconte l'histoire d'un trio d'amis qui sont des enfants et qui sont tous les trois un petit peu... Ils vivent de pas grand-chose, on ne sait pas exactement où, mais on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils ont des super-héros auxquels s'accrocher, donc comme tous les gamins, ils s'identifient tous à un super-héros. Il y en a... Et celui qui raconte l'histoire n'a pas de super-héros, il n'a pas d'exemple, il ne sait pas à quel héros s'accrocher. Et donc la nouvelle raconte justement cette quête du modèle. Et il va le trouver parce qu'ils ont une passion commune pour le cinéma et il va un jour aller avec sa mère au cinéma voir un film de Coris Maki. Et il va voir sa mère sourire, et c'est pas souvent qu'il a vu sa mère sourire, et il va se dire que peut-être que le comédien qui a su créer ce sourire sur le visage de sa mère, ça c'est un vrai héros, plus que Spider-Man ou que Batman ou n'importe quel héros qui a jamais réussi à faire sourire sa mère. Ce comédien-là, dont je vais pas le dire le nom, mais le nom est dans le livre, parce que c'est un vrai film, ce comédien-là va devenir son modèle, et ça sera son héros à lui.